poisson en fait est cuit sur le galet. Donc c'est une cuisson saine, sans matière grasse. Il y a un tout petit peu d'huile de coco qui est sur le galet. Donc ça fait une cuisson poêlée, saisie. Et en fait, on vient terminer la cuisson du poisson. Quand on va verser le bouillon, ça va faire de la vapeur et ça va faire comme une cuisson vapeur. C'est comme le paradis. Ça va, monsieur. Ça passe, ça y va. Cuisson au galet. C'est un bouillon citronnelle. Ça, c'est ça qui est bon aussi. De goûter, hein. J'en ai pas eu la dernière fois là. Ni des pois gourmands en même temps que les frites pour. Pardon, bah, je vais pas demander. Des pois gourmands. Oui. C'est une feuille de lotus, je te rappelle. Oui, feuille de lotus. Ça ne se mange pas, la feuille de lotus. Non, la feuille de lotus ne se mange pas. Elle vient juste à faire tampon au niveau de la chaleur et donner un petit peu de goût pendant, pendant le bouillon. Merci. Merci beaucoup, monsieur. T'as vu le galet en fait, Yves ? Ça pue là ? Oui, j'ai vu le galet. T'as vu le galet ? C'est un gros galet quand même, je sais pas si t'as vu. Hein. On est allé chercher dans la Durance. C'est vrai ? C'est un vrai galet. C'est un vrai galet. C'est un vrai galet, d'accord. C'est un vrai galet qu'on met à la cheminée. D'accord, c'est un vrai galet. Voilà. On les change régulièrement parce qu'avec la chaleur, de temps en temps, ils cassent. Ah oui, ils peuvent s'étaler, d'accord. Ah oui, bien sûr. Merci. Mais merci beaucoup. Hein. On attend la suite pour toi. Merci beaucoup. On peut goûter des pommes de terre quand même. On peut goûter un petit peu de pommes de terre. Non, mais on peut goûter des pommes de terre. Pommes de terre. Oh, c'est vrai. Tu me fais rire. J'attends parce que c'est comme ça. Oui, j'attends que ma maman mange mon machin. Ah, mais qu'est-ce que t'en penses? Ça se mange pas la fête de lotus ici. Hein. Merci. Bah, j'arrête. T'as une arête là? Ah, c'est pas bien ça. Ah, ça va pas ça. Je vais écrire. T'as retrouvé? Bon, il y a une arête, je vais dire. Excusez-moi, il y a une arête, c'est de ma mère. Hein. Elle a trouvé une arête, à l'instant. Attention, c'est chaud, madame. Vous me donnez, s'il vous plaît, un supplément de pommes de terre sautées. Puis elle m'a trouvé une arête, c'est un peu dommage. Hein. On pourrait avoir de l'assiette. Hein. Ouais, une arête. Ça, c'est très dommageable. On peut revoir l'assiette. Hein. Comment vous voulez que je... On va changer l'assiette. Non, mais si, il faut qu'une arête, on est d'accord. Parce qu'une arête. Mais c'est gênant, quoi. C'est bon, là. C'est dans la visu, quand il a désarrêté, il a déjà oublié. On va faire attention. C'est bon, là ? Non, normalement, il a tout désarrêté. Normalement, oui. Bon, mais c'est la seule. Vous savez, l'erreur est humaine. Mais non, bien sûr. C'est une seule à l'intérieur. On va voir. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. On fait comme ça. Ok. Sinon, c'est bon au niveau du goût, là, repas. Bon, et toi, Yves ? Merci beaucoup. Hein.
Et toi, c'est bon ou pas alors? J'ai goûté, mais j'ai demandé un supplément. On a demandé un supplément. Alors? Oui, bon. Voilà, les frites sont meilleures.